Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Binary Domain sur PC Sesumi et on va J'ai continuer notre pas été si aventure. efficace. Je croyais que Prends c'est par pas là. cet air Je suis supérieur avec Grégory, moi. le métro n'est plus très loin. Tout ce qu'on peut faire, c'est suivre les instructions de Mifune. D'accord. Compris. J'y suis, mon Suivre pote. les instructions de Mifune. Attendez un petit peu. Il y a des latences, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste parce que j'ai commencé l'enregistrement. Allez. Entendu. Faisons quelques achats. Ben, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Munitions d'assaut. J'en ai besoin. Pour la mitraillette, non. J'ai pas besoin. Grenade de brouillage, non. Nanomachine, santé. Non, pas besoin pour le moment. Visée précise. Nanomachine qui augmente la concentration, améliore de 10% tir à distance. C'est pour Fire. Ça, c'est pour Charlie Fay. Rachel. On n'a qu'un seul juste pour Dan. Voyons voir quelques améliorations. Alors, voyons voir pour Dan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Augmenter la portée. Ah oui, on peut augmenter la portée du tir. Peut-être qu'on va augmenter une. Mais pour la cadence de tir, non, pas besoin. Pour l'onde de choc, non, je pense pas. Voyons voir pour faille. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va augmenter sa puissance de feu. Pour sa précision, pas besoin. Il a déjà une énorme précision. Voyons voir pour Big Bow. Pour la précision, pour la puissance de feu, on va lui augmenter sa portée. On va augmenter pour les balles. Et puis je Jeep. crois que c'est tout pour le moment. Entendu. Compris. Allons-y. On va aller par l'escalier, donc voilà, pour continuer. Voilà. Dan, on va se séparer. On fait la droite, tu fais la gauche, d'accord? D'accord. Je vais vers le fusil sniper, je pense. Et hop là. Ok, tu fais la droite, tu fais la gauche. C'est parti. Mince alors. Qu'est-ce qui va pas? Je vais bien. Détruis tout ennemi. Après, on pourra parler. Destruction. On va voir. Ce côté est faible. On a ici. Je prends des munitions pas ici. Il y en a ici. M'en Ah charge. non, Je m'en il n'y en a sers. plus. Vous ne pouvez pas ici. Yo, c'est pas le moment de nous laisser tomber, hein. Putain, il s'arrête jamais? Peut-être que non. Tu peux pas renoncer. Bon N'abandonne pas. C'est bon, ils l'ont pris. C'est par où? Voilà. Je vais les suivre rapidement. On va tous les détruire. T'en fais pas, mec. Notre On a de la objectif, c'est... compagnie. Figé. Je m'en sers. Et voilà. Oh, nous avons de la compagnie. Ouais, ça gaze. Oh que oui, ça gaze. Ta gueule.
T'es taré. Oh, tu parles. On va tous les détruire. Allez, doucement, on y arrive. C'est Grégory, bon sang, Dan. Arrête de m'appeler pour des nèfles. Terminé. Ça, ça te va? D'accord. Je m'en charge. Compris. Oh là, j'ai pas de balle. Ta gueule, t'es taré. Allez, on va tous les détruire. Allez, aidez-moi un petit peu là. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Notre objectif est derrière ça. Dan, mon frère, ouvre ce store. Qui ? Moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, on ouvre. C'est pas grave. Et on passe de l'autre côté. Oula ! Faut fuir ! Wow ! Et on tombe. Quelle chute ! Merde ! Le pire scénario possible. Putain ! On est censé faire quoi là ? Oh, non, ouais, 5 sur 5. On appelle ce truc un arachnide, créé pour défendre les bases. Bon sang. Ils se sont donné la peine de se déplacer hors de la côte pour vous. Alors, on doit faire quoi? Excellent. Alors, trouvez ces systèmes de pilotage et détruisez-les. Ça veut dire, je crois que tu t'y es cru un peu trop là. Alors, bon courage. Voilà, je crois bien que c'est. Yo, je le vois. Le truc qui brille, c'est le système de pilotage, hein? Ok, attention. Compris, vieux. Très bien. Presque. Très bien. Je m'en charge. Oh non, le blindage. J'ai plus de munitions. Faut d'abord qu'on s'en débarrasse. Oh là là. Où je peux trouver des munitions? Ah oui, là-bas. Ah, mince alors. Je vais essayer. Dan, elle essaie de te viser. Vite, à couvert. Dan, regarde. Merde, ce truc t'a un blindage de taré. Fais quelque chose pour nous. Dan, regarde. Wow. Essayons d'en prendre un peu pour nous. Comment faire? Ça, ah, j'ai plus de munitions. Faut que j'aille en chercher. Mais voilà. Pas aussi puissant. Alors, je fais de mon mieux. Merde, sans vie,
Voilà. C'est bon. Ok, j'ai encore plus de munitions. Je vais chercher ailleurs. Ok. Je n'ai vraiment plus de munitions. Ah ouais. Allez, j'essaye de me couvrir. Wow. Ça gaze partout. Elle vous poursuit. Juste prenez le temps. Je veux juste avoir le temps de viser son point faible. Voilà. Oh, j'ai plus de munitions. Retour faire le stock. Si j'y arrive, vivons. Voilà. En plus. Oula. Je vais voir si je peux y arriver de l'autre côté. Ok, encore plus de munitions. Excellent. Pas mal. J'arrive. J'ai fait de mon mieux. Je vous jure. Je vais bien. Il n'y a pas de problème. On fait de lourds dégâts. Je crois que c'est abattu. Je crois bien que c'en est fini d'elle. Tu le vois, ça? Wow. Tout le monde est vivant? Criez si vous êtes mort! On est toujours vivant. Oh la vache! Apparemment, on s'en est bien sorti. J'y vois rien! Cette arachnide nous aura fait chier jusqu'au bout! Sa mère! J'espère ne plus jamais rencontrer ce genre de truc! Dan. Tu parles. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose bouge dans la fumée. Putain de tas de ferrailles. Ils savent pas s'arrêter. Voyons voir. Nos amis nous ont rejoints. C'est une bonne chose. Prête. Go. Contact. J'avais encore jamais vu personne battre une araignée. À quoi cette chose? C'était rien, hein? Ouais, plus c'est gros, mieux c'est. Écoutez les enfants, vous ne devriez pas traîner là. Nous on bosse, ok? C'est dangereux, cassez-vous. Ça fait des heures qu'on attend ici, et voilà comment on nous remercie. Pardon? Tes affaires sont nos affaires, gros dur. Je suis là pour vous emmener auprès de Mifune. Alors suivez-moi. Elle m'a appelé gros dur? Je crois bien. Allez, gros dur. Satané gosse.
Gros dur. Ça te va bien. Gros dur. Gros dur. Lequel d'entre vous est Charlie? Tu dois être Dan, le malin. Bienvenue à Shibuya, je suis Yuki. Tu n'es pas un peu jeune pour travailler pour un gangster? J'ai 15 ans. Ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une paysanne des rizières. Elle ne vient pas souvent en ville. Va te faire, chien de Yankee. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de marché noir? Oui, un peu. Tu trouveras tout ce que tu veux ici. Oh, je vois. Même des morpions. Hein? Oh. Et le gouvernement s'en tape de ce qui se passe ici? Le ministère de l'Intérieur envoie parfois des robots de sécurité. Mais ils ne s'occupent que de la ville supérieure. On peut bien mourir de faim ici, ils s'en fichent complètement. Ouais, j'imagine que c'est réciproque, hein? Un peu, oui. Bon, allons-y. Pour toujours notre mission, c'est voilà. Retrouver Mifune, le contact japonais. On y arrive. Dan, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Hey, ça nous concerne pas. On y va. Ouais, un simulacre. Les gosses ont dit qu'il était coincé sous les gravats après qu'on a dégommé l'araignée. Narukodo na. Konna no mita koto ne. Ore ra mo odorokimashita yo. Oi, kyū ni nan nan da? Hanashite kure. Ore dou suru kida? Koitsu jibun no shoutai ga wakatte ne no ka? Sono you de. Oi, ore no me miro. Yoku miru nda. なんだ、これは。嘘だろ。自分の立場が分かってない。このロボット野郎。違う。俺は人間だ。こんな。バカなことが。Il lui tire une balle dans la jambe. いいだろう。ミフネの親父に見せる。どうも。よくできてやる。よせ、親父に見せる前に壊れちまう。おい、何やってんだ。そのガキ。バカが、スクラップになっちまったじゃねえか。しょうがないじゃないですか。やべぞ。の、おっと、ちょ、うら。De conserve par ici.
Et c'est mort. Je veux pas mourir. T'inquiète, il y a que les humains qui peuvent. Qu'est-ce que je suis ? Un simulacre. C'est comme ça qu'on vous appelle. Programmé pour penser que vous êtes humain, mais vous ne l'êtes pas. Boum ! Il s'est suicidé. Cette intervention était irréfléchie. Il manquerait plus qu'on se fasse repérer par les flics et par les yakuza. Peut-être. Et ça me fait penser à un truc. Quoi ? Combien de simulacres sont encore parmi nous ? Peut-être une dizaine, une centaine, qui sait ? Allez, Mifune nous attend. Bien. Allons-y. Ça doit être par là. Pom 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 pom. Enfin, on va rencontrer Mifune. J'ai jamais vu un mec se faire buter, mais un robot se suicider, c'est nouveau. J'ai jamais entendu parler d'un tel truc. C'est presque humain. Waouh, Dan, t'es vraiment un soldat incroyable. Ça me surprend. Et en regardant de plus près, t'es plutôt mignon. Ça me dérangerait pas si t'étais mon mec. Tu veux sortir avec moi ? Oh que oui. Quoi ? Sérieusement ? Tu leur fais le coup à toutes, pas vrai ? Maintenant que j'y pense, j'aime pas que mes mecs soient des chauds lapins. Et c'est le bon choix. Cette fille est plutôt douée pour cerner les gens. Mifune t'attend. Es-tu prêt ? Prêt. Alors on y va. J'ai dit prêt. Pas facile. Tant mieux pour toi. Mais reste en alerte. Tu tiens pas à mourir, hein? Oh que non. Salut Yuki. Tu viens voir Mifune? Ouais. Il y a des gens qu'il veut rencontrer. Quel drôle de groupe. Ok. La porte s'ouvre. Eh ben tiens, un casino ? Non, un bar. Des stripteaseuses virtuelles. Eh ben je m'en doutais, un casino. Pas mal. Vachement bien caché. Et je me demande bien à quoi ressemble ce Mifune. Peut-être un autre simulacre. Salut Mifune, regarde qui je te ramène. Bienvenue à Shibuya, mes amis. Désolé pour le petit changement de programme. Requin, anglais, chinois. Vous devez être des casseurs. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis du MI6. Ah, comme James Bond. Qui ? C'est un vieux personnage de film. Eh bien, on dirait que Monsieur Mifune connaît ses classiques. Bref, je ne suis pas venu pour papoter. Voilà 5 millions. C'est un premier versement. Tu auras le reste quand on aura fini. J'espère que les affaires. Pas de reçu. Voyons, Mifune. Ça voudrait dire que je ne te fais pas confiance. Allez, on n'a pas toute la journée.
Quel est le chemin le plus sûr vers la ville supérieure? Vous avez des papiers japonais? Pas de papiers. Rien du tout. Aucune preuve de notre existence. Tu me suis? Donc, il n'y a pas de chemin sûr. Ok. Alors, quel est le chemin le moins dangereux? Ça, c'est une autre question. La station de métro fut fermée suite à l'inondation du vieux Tokyo. Quand ils ont construit le système d'égout de la ville supérieure, ils ont suivi le même tracé. Vous n'avez qu'à faire pareil. Quoi? On est censé nager jusqu'en haut? Bien sûr que non, M6. On a des jet skis pour ça. Ah. Voilà qui est pratique. Je vous les vends pour 5 millions de pièces. 5 millions? Wow. Tu sais, t'es pas le seul à t'y connaître en vieux films. Tu n'es qu'un vieux Yakuza, pas vrai? C'est comme ça que je fais mes affaires. Vous n'avez pas de temps à perdre, votre contact français vous attend. Et je vous donne cette information. C'est cadeau. Oh, quelle générosité, Mifune. C'est un défaut avec lequel je dois vivre. Yuki, emmène-les au métro. Mais voilà. Soyez prudent. 5 millions la pièce. Tu Quel pars. Quel prétentieux. Il s'est bien foutu de nous, n'est-ce pas? Où est passé votre flegme, ma très chère? Qu'est-ce que t'as? On a de la visite. Je croyais qu'il ne venait pas ici. Normalement, non. C'est nous. Ils savent qu'on est ici. Ok. Y a-t-il un moyen d'aller au métro sans passer par le marché? Non. On va devoir se battre pour passer. Deux équipes. Une se charge de l'arrière. Vous êtes prêts? Ok, oui. Ok. Toujours, je prends Big Bro avec moi. Et je prends Faye avec moi. Allons-y. C'est toujours comme Suivez-moi. Ça. Suivez-moi. Ça va être du baston. Elle va te guider vers le métro, vieux. Et t'as intérêt à la protéger, pigé? Par là! D'accord. Allez. Désolé, mais c'est toi qui te charges de tirer. Ils nous ont repérés! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas appelé. C'est toi. Concentre-toi sur l'ennemi. Oula. Par exemple, toi. Prends ça. Je m'en charge. Vous allez baver. Pas de soucis. Garde les yeux sur le combat. Oh, je te vois. Ouais, qu'est-ce que t'as? Ah mince alors. C'est ma faute, vieux. J'ai merdé. Ok. J'ai quelque chose pour toi. Non, je retourne sur le fusil. Wow. Hein? Qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Merci. Pas de quoi. Dis-moi ça, vieux. On va jouer à cache-cache. Pas mal, Dan. Exterminons le reste. Où est le reste? J'ai descendu personnellement. Et les Yakuza appellent ça une route sûre. Voilà ce qui arrive quand on leur fait confiance. Charlie a déconné grave sur ce coup-là. Carrément. Ça ne sert à rien de se plaindre. Dan, t'es prêt? On doit continuer. D'accord. Ok, allons-y. On doit trouver ces jet skis dans le métro.
On va les trouver. Oula, j'ai pas vu. On y est prêt. On va y arriver. Faut que je fasse attention. Dégage. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Je crois que tu t'y es cru un peu trop là. Oh mince alors, je vous le disais. Pam 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 pam, il y en a d'autres. Ouais, ça gaze. Ça gaze à fond. Dégomme l'état de ferraille, on discutera plus tard. Voilà. Il n'y en a plus, je pense. Allez, suivez-moi. Non, ah, il n'y en a plus. Voilà le survivant. Ça rend la vie de Big Bo plus facile. Merci. Ils sont là, Dan. À toi de jouer. Ok. J'ai cru un peu trop là. C'est pas grave. C'est pas grave. Et toi, je t'ai vu. Pigé. Je m'en sers. T'essaies de me buter ou quoi? Non, je m'excuse. Garde les yeux sur le combat. Dites-moi que je rêve. Non, tu rêves pas. Allez, on continue. Bien joué, Dan. C'est... Tu as réagi vite. Je pense vite, que là. C'est par là. Tu vas pouvoir continuer. Négatif. Tu ne peux pas? Quoi alors? C'était juste un coup de bol. Bon, bah ok, alors. C'est par là? Non, je crois bien que c'est effectivement par là. Bon sang, Dan. Arrête de m'appeler pour des nèfles. Terminé. Ok. Je crois bien que je vais m'arrêter là et je vous vois dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Arrête de te moquer de moi. C'est désagréable.